1-2, 1-2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Spider-Man 2 et je suis enfin content. Bordel, on peut enfin respirer un peu, on est là. On peut faire des trucs dans la ville, frérot. Parce que moi, j'étais là, j'enchaînais. Et en fait, à chaque fois, je me disais, oh, cette fois, ça y est, je vais pouvoir faire la vidéo tranquille sur AMU 80+, tout ça. Et au final, j'avais jamais le temps. Pourquoi ? Parce que je voulais enchaîner rapidement sur l'histoire. Là, on est après le troisième épisode, je vous situe, d'accord ? On est juste après la mission où... Bref, on a éclaté la fondation, on a fait n'importe quoi. Et là, j'ai juste envie de respirer un peu et me balader dans la ville et éclater des gens, essayer de ramasser un peu de trucs pour les compétences, des trucs comme ça. Peut-être faire une quête secondaire, j'en sais rien. Bref, en tout cas, ça fait plaisir. Et aussi parce que c'était la nuit avant, frère. Et quand c'est la nuit dans le jeu, frère, je sais pas, je me dis... Bah, je pense aux gens qui vont regarder la vidéo. Je me dis, bon, ils vont trouver ça un peu dark. Parce qu'en fait, je crois vraiment, on peut pas choisir le temps dans le jeu, tu vois. Genre, c'est en mode, bah, c'est le moment de l'histoire. Mais je pense que si, par exemple, tu finis le jeu, je crois que t'auras le choix. T'auras le choix de changer le jour, la nuit, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est... Tu fais avec ce qu'on te donne. Bon, en tout cas... Je sais pas par quoi on va commencer les rails. What do we have here? Alors on peut choper des pièces high-tech rares ici, non? Vas-y, on va éclater des chasseurs. On va jouer un peu avec Miles today. Ouais, ouais, it's gonna be Miles. J'aurais bien voulu que ce soit Spider-Man. Enfin, Spider-Man. Soit Peter. Oh, l'insulte que j'ai fait là, frérot. Comment ça? Ça veut dire Miles, c'est pas Spider-Man. T'es fou ou quoi? He is Spider-Man. Mais c'est juste que dans ma tête, vas-y, Spider-Man, c'était Peter. Et bref, on maintenant... On dirait que Pete avait raison. C'est bien un affût de chasseur. Maintenant, Miles, c'est Spider-Man on us. Si t'as compris, Spider-Man et demi et plus encore. Je te jure, en vrai, Miles, il est très 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 fort. Hein. Ouais, il y a quelques années. J'étais stupide et je ne comprenais pas ce qu'il essayait de faire. C'est un risque, lui, celui de Deglen. Le combat n'a pas duré longtemps. Elle, c'est pas un risque, logiquement. J'en ai sorti un ben. Ouais, mais seulement parce que j'ai fini par réussir à lui injecter un alcool. Les effets ont duré. Quelqu'un m'a vu? Merci de ta coopération. De rien. Désolé, il peut pas te répondre en fait. He is currently unavailable. Batterie faible, veuillez la recharger. Alors, je vais éclater lui. Moi j'aime bien les phases d'infiltration. T'es là, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Tu fais des petits bas, you know. Ok, lui il est seul hein. Il vient à peine se dire... Oula. Il vient à peine se dire, il y a un petit problème là, non? Attends, on peut se mettre là et faire un bail ou pas? Pas sûr, non? Oh si, oh, ça marche trop bien ce petit gadget, c'est une dinguerie. I jure, je jure, c'est incroyable. Oh non, qui c'est qui m'emmerde là? Ah ouais, merde, j'avais pas vu ça moi. Ouais, j'ai vraiment mis n'importe où, c'est dingue. Y a pas un truc qui peut te déconcentrer Regarde là, frère. Fais essayer de le suivre. L'étoile, ça veut dire... Ça veut dire ta race. Il est con ou quoi, lui? Oh merde, y a des trucs. Ah ouais, ils sont un peu alertés, là. Bah, j'aurais bien voulu que ça soit... Il se passe que je fais ma vie, frère. Non, j'ai envie de faire le plus d'infiltration possible avant que ça devienne impossible, quoi. Parce que bon. Alors. Ils sont combien là, frérot? Il y en a un? Attends. Je veux bien savoir. Tu fais quoi là? Je crois que quelqu'un m'a vu, non? On a un homme à terre par ici. Qui a dit ça? Oula. Merde. Il va faire l'alerte. Ta gueule. Encore un... C'est dingue. Bah jusqu'ici je m'amuse bien. Eh, tu veux pas aller voir là-bas? Encore à te cacher dans l'ombre? Oui, c'est vrai. Non, là tu m'as eu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Allez, ouvre là, ta mère! C'est pour ton bien. C'est vrai, ça? Allô, qui c'est qui veut aller voir là-bas? Je pense que je peux l'éclater, lui. Ça fait du bruit, quand même, ça, hein. Ils voient l'étoile, ils se disent pas, il y a un problème, non? C'est trop bien parce que ça fait des petites brèches de temps en temps, t'es là, tu peux leur les éclater, tu vois ce que je veux dire. Il reste que les deux là. Hein. Encore un corps. C'est lui qui nous chasse. T'as bien vu le chasseur chasser. Ta gueule. Hé, hey, bouge-toi. C'est pas la dernière? C'était beau. Ou bien il reste encore quelqu'un? Ah non, c'est ça. Allez, petit oiseau, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le plan d'une base. Tu veux bien me montrer ce qui m'attend sur place? J'ai pas trop compris. Ça fait du tin 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 tin. Zoom. Ah. Ils pourront pas appeler les renforts si j'arrive à désactiver ce relais. Super. Alors comme ça, t'as visité deux autres affûts près de Harlem. Trop bien. Je ferais mieux de chercher d'autres affûts. Ils vont peut-être me mener à une base. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est kiffant ce genre de truc. Plutôt que de rush l'histoire. Même si moi j'aime rush l'histoire, mais j'aime me poser un peu comme ça. Et j'ai pas envie de le faire forcément à la fin du jeu, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Oh, en plus l'épisode 3, je sais pas si vous l'avez regardé, mais je vous conseille d'aller le voir. Salut les amis, me revoilà avec un épisode. J'espère qu'on fera un épisode comme ça avec Peter. Avec ses nouvelles capacités, tu vois ce que je veux dire. La géniale conseillère Rio Morales. C'est un plaisir de vous revoir, Rio. Plaisir partagé, Danica. Alors, plusieurs rapports font état d'une tentative de cambriolage à Harlem. Hélas, mais quoi? Mais le centre culturel de Harlem abrite des pièces ayant appartenu à des musiciens très résistants. Je peux être Peter? Je peux être Peter? Bah du coup, voilà. Non, bah ce sera pas un gameplay sans spoil. Bah mais de toute façon, j'avais pris voilà, la précaution. Je me suis dit je le filme juste après l'épisode 3, mais je le sors. Après l'épisode 3. Tu vois ce que je veux dire? On voudrait que vous fassiez un tour de vélo en traversant 10 points de passage pour évaluer le comportement de la batterie. Le range vélo de Central Park vous attend. Votre badge vous y donnera accès. Heureusement que ces chercheurs peuvent travailler de chez eux après la destruction de la fondation. Évitons de prévenir la presse. Mais comment on fait techniquement? C'est vraiment, je sais pas comment on fait pour changer Spider-Man. Est-ce qu'il y a une touche, il y a un truc en fait? Allez, un petit tour sur une de ces merveilles roulantes. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai lancé une mission? Je sais même pas ce que c'est, moi, enfin. Allez, cap sur le premier point de passage. Juste avant, il disait, ouais, regarde, je suis pas disponible et tout. T'es disponible, regarde, t'es là. Frère, on peut faire du vélo à Central Park. C'est quoi cette vidéo de dingue? Je passe le point de passage. Dégage! Les rails, faire du vélo en nature, l'un des meilleurs trucs au monde. Mais c'est aussi un des trucs. J'allais me prendre le frisbee, hein, en deux. Oh, bref. Il y a un concert aujourd'hui. C'est l'un des trucs qui m'a fait mon allergie au pollen, je pense. Parce que il y a un moment donné, tout le temps, je sortais en vélo. Je passais par des bois, tout ça, tu vois. Et. Mais bref. Au final, il y a un truc qui m'a sauvé, les frères. J'en profite pour le dire dans une vidéo comme ça. Peut-être que ça va aider certaines personnes. J'ai fait une détox de mon foie, les frères. Oh, les gens, ils kiffent, hein. Donc, détox de foie, ça peut se faire avec plusieurs aliments. Il y a différentes... c'est pas un aliment qui permet de le faire. Mais moi, je l'ai fait avec le chardon-marie. Ça a très bien marché. Dès la première prise, c'est la première fois que j'ai eu un été normal. Donc, voilà. C'est pour tous ceux qui sont grave allergiques au pollen. J'ai tout essayé, hein. Le chardon-marie, c'est le seul truc qui m'a vraiment aidé. Ça, c'est pas normal. Je crois pas que le vélo soit censé tirer des feux d'artifice. C'est dangereux. À ce rythme, la batterie va surchauffer et exploser. Je dois me dépêcher de le rapporter à la station. Starf, ça me rappelle les trucs là qui étaient sortis à l'époque, les hoverboards. Il y avait des hoverboards avec des batteries défaillantes et tout, ça faisait ça.
Bon, on n'a pas eu ça qu'avec des hoverboards, on a aussi eu ça avec des portables. Mais bon, ça s'est arrangé depuis, alhamdoulilah, tu vois, mais... Ah, t'imagines, t'achètes un portable et tout, et il t'explose à la figure, c'est vraiment une dinguerie. Plein d'appareils m'ont déjà touché au visage, mais un vélo, ce serait une première. J'étais censé passer là, normalement, non? Parce que la rampe, ça, c'était pas du tout l'effet escompté. Désolé, pardon. Wesh, il allait faire un wheelie. Wesh, strafla. Mais c'est plus, c'est un wheelie, strafla, plus qu'un wheelie. Tu sais ce que dire ou pas? Un wheelie, en arabe, c'est une manière de dire wesh. T'as capté ou pas? Mais tu m'as pas dit qu'il y a un boost. Le pont est bloqué. Faut que je trouve un moyen de passer. Mais c'est Riders Republic! Attends, comment on fait pour... Marche arrière! Marche arrière, mon reuf! Mais wesh! Non, mais non, frère, je vais pas perdre à cause de ça. C'est le dernier truc. Non. C'est pas cool, ça. Je l'ai raté. Bon, bah c'était cool, hein. On va essayer comme ça. Voilà. Non mais frérot, j'ai juste pas eu de chance. Pour le coup, pardon. Wesh. Et après. Wesh. Bref, tout ça pour dire, faites du vélo, les frères. Mais en ville. Mais wesh. C'est très dangereux en ville, vraiment. Je me suis vraiment... J'allais me faire écraser, frère. Je faisais des vlogs. Je pensais que je faisais une dinguerie, mais oui. Les variations de température extérieure doivent être en cause. Dinguerie envers moi-même. J'ai rien compris à ce que t'as dit, Peter, mais d'accord, c'est des trucs de geek. J'ai bien kiffé. Désolé, j'ai envie de m'ambiancer aussi, alors comment ça se passe? Alors, normalement, les concerts, ça se passe autrement, mon ref. C'est quoi, ça m'a gueulé juste là? Ouais, tac, tac, tac. Bah, les gens, ils ont l'air de kiffer, hein. Mais c'est parce que j'ai enlevé les musiques copyright. Et du coup, ça fait que... Les musiciens ne chantent pas. Ils sont juste là, ils s'ambiancent. On dirait lui-même, il... Vous savez certainement que Mac Gargan... Il kiffe comme les gens. Sous le nom de Scorpion... a été retrouvé mort. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Son dard prélevé en guise de trophée. Vas-y, dis-moi. On peut penser qu'il s'agit de l'œuvre des chasseurs. Ouais. Serait-il en train d'accomplir, en éradiquant ces dangers une fois pour toutes ? Peut-être, c'est possible. Ces incompétents Spider-Man refusent de faire depuis trop longtemps. Ouais. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment qu'on devrait les laisser s'éliminer entre eux. Mais qui t'a demandé ton avis ? Notre ville n'a pas besoin de ces faux justiciers masqués qui n'apportent rien de bon. Une fois débarrassés d'eux, nous pourrons revenir à une vie plus simple. Quelle bouffée d'air frais ce serait. Le vrai journalisme me manque tant. Vous savez, cette époque où je pouvais parler des vrais sujets d'actualité. Notre économie en berne, ou la jeunesse en perdition, sans être obligé d'évoquer sans cesse ces guignols en collant qui rendent la vie des honnêtes gens complètement... Mais c'est lui, s'il parle pas de nous une journée, il explose. Oui, un jour peut-être. Un jour. Wesh, mais une prise d'otage ou quoi ça? What is this? La flamme est éternelle. Ah non, c'est une secte. Pardon. C'est il une secte. Pas le faire tant qu'il était chaud. Première fois que j'utilise ce truc. Incroyable. J'aime bien. Ils sont moins résistants que les chasseurs, hein. Ah ouais, ça part vite parce qu'ils ont pas les armures et tout. Moins résistant, mais tout aussi chiant. Hein. C'est bon, c'est réglé. N'encaissez aucun dégât, merde. Peut-être mieux laisser la ville se débarrasser de ses pierres à marquer, non? Waouh. Il est trop beau et luisant. Je pensais pas un jour sortir cette phrase de ma vie. Il est trop beau et luisant. Aïe. Un truc de mystérieux. Oh non, comment, j'ai pas envie de faire ça, frère. Je sais même pas si on a un vrai bénéfice à le faire. Mais bon, la vérité, le but de cette vidéo, c'est aussi faire des trucs que je ferais pas en temps normal.
Changement Spider-Man requis. Ah ouais, ça c'est que pour Miles. J'ai capté. Vas-y, hein. On va tenter des trucs. Tu sais que je suis un peu éclaté à ça. Spider-Man, qu'est-ce qui se passe? En fait, on aide des gens à se libérer du truc, mais c'est trop triste, ça veut dire, ça a vraiment fait des victimes ce jeu. Ils sont passés où? Vous pensez pouvoir vaincre mes plus puissantes. La patinoire. Ok, Miles, concentre-toi. C'est que des illusions. Même ce faux mystérieux. Non, c'est pas que des illusions. C'est bizarre, on dirait une réalité parallèle, frère. Tu sais que je pensais que Mysterio serait vraiment un méchant méchant, mais en fait il est rangé là dans cette version quoi. Wow. Aïe. Ça c'était clairement pas une illusion. Comment est-ce qu'ils font ça? Wesh. Ça tire hein. Merde, j'ai fait le truc trop proche. Mais bon, c'est pas mal. Mais c'est mieux de l'utiliser pour gagner du temps, tu vois ou pas? Je sais pas comment je me débrouille, mais... Aïe, aïe, aïe. Mais wesh, t'es très méchant. Imagine que ça leur fait mal. Et ça correspond bien à la vibe Halloween, je trouve. Hein. Alors... C'est ouf, parce qu'ils ont des guns et tout, c'est hardcore. Waouh! Tu sais qu'en plus il y a des flous de mouvement, ça rajoute un réalisme un peu, tu vois. Il n'est pas excessif, mais il est assez suffisant. Je pense qu'on peut les activer, mais ça enlèverait quelque chose, je pense. Il est suffisant pour donner un effet de vitesse et un truc agréable de réalisme. Cette illusion est une illusion. Je suis confus un peu là, c'est quoi l'histoire? C'était pas mal jusqu'ici. Mais il faut te toucher ce qu'elle ne voit pas. Comment ça c'est tu... T'es bête ou... Frère, ils apparaissent de mon fiac, c'est une dinguerie. Mais ils tirent dessus alors qu'ils sont même pas encore apparus. C'est chaud, hein. Aïe, 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 j'ai pas envie de mourir. Si vous ne pouvez pas, vous sauvez vous-même. Tu es bien là. Tu vois, le mec, il était pas là, mais il était là. Sois invisible, ces yinch. Arrêtez d'être invisible, montrez-vous. Pourquoi y'a un truc en l'air, là? Ouais, c'est abusé. Mais ça porte à confusion, on les voit pas du tout, frère. Oh là, j'ai un temps de merde. Hey, je dois faire des coups de grâce en fait. Oh, j'avais pas capté. Moi je m'étais rechargé l'énergie. Enfin ma vie pardon. Oh non. Oh là 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 là. C'est peut-être une illusion, mais la douleur est réelle. Ouais bah c'est bon, on a capté. Mais putain, je savais pas. Moi je pensais que c'était des vagues d'ennemis. J'avais pas capté. Je suis désolé hein. Bon bah, la prochaine occasion que j'ai de le faire, je le fais, hein. Mais bon. On a... Aïe! Alors là, si en plus je meurs. Arrête! Oh, mais les frères! Montrez-vous aussi, là! Allez! Tu fais un coup de grâce, s'il te plaît? Qu'on en finisse de ce fiasco? Ah non, frère, si j'ai bien appris un truc, c'est que je suis nul à ce genre de défi. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hé! Hey! Non, ça m'a rechargé mon énergie automatiquement. Oh là là. Ouais, 6 coups de grâce après 5 minutes.
Ah, mais si je savais, j'aurais mieux fait. C'est terminé ? Oh mon dieu, merci. C'est terminé, mais quel fiasco. Quel fiasco, les Rey. Non, on va pas le refaire maintenant. Regarde ce qui est trop fort. Tu sors, et après... Ah, mais c'est très fort. C'est vraiment très très fort. Bon, on peut dire que c'était une catastrophe. Hein. Écoute, on est tous d'accord pour dire ça, je pense. C'est pas grave. Je sais pas si on pourra remettre Peter. Je sais pas comment on fait ça, frère. Faut que je me renseigne un peu, non? Ah, c'est à travers l'appli, passer à Peter. Je savais pas, frère. Oh, c'est beau. C'est très très cool. Bah, au moins maintenant, je sais. Je te jure, je savais pas. Je pensais que ça serait un autre truc. Chers auditeurs du DaniCast. Oh là là, encore. Question taraude depuis mon réveil. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à la fondation Emily May la nuit dernière? Ah. Hier, on parlait encore de philanthropie et de combat. Bah, il s'est passé des dingueries. Écoute, qu'est-ce que je dis? De trafic d'armes, frérot. On va débarquer sur la gueule. Je sais pas si je vais faire une quête secondaire ou quoi, ou bien je laisse ça pour autre fois. On verra. Salut! Ah merde, je peux pas faire ça. Je vais t'arracher les pattes. C'est dingue. Pardon. Mais... Oh là là, ça me rappelle vraiment Prototype. Mais ça les a éclatés. Si Spider-Man s'en tire, c'est moi qui vous bute. Vous croyez que c'était fini? Quelle erreur! Aïe! C'est le moment de faire ça. N'interférez pas dans la chasse. L'araignée est à nous. Super! Je me demandais si on pouvait un peu corser les choses. Les chasseurs. Les chasseurs, donne-leur. De quoi se chasser, frérot? Oh là 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 là. Non mais non, toi, ça serait bien que tu arrêtes avec tes histoires. Voilà, retour à l'envoyeur. Voilà, il reste qui? Je sais pas si elle est vivante, elle. Quelqu'un peut venir m'aider? J'arrive! Bref. Il y a une ambulance pas loin. Je vais vous y emmener. Merci, Spider-Man. J'aime bien ça. Le fait de pouvoir les porter. Et tu les amènes après à l'hôpital ou je sais pas quoi. C'était un truc qu'il y avait dans les anciens. Enfin, dans Spider-Man 2 notamment. Spider-Man 2, bah. PS2. Et c'était cool. On arrive, vous êtes super. Je te jure, j'aimais beaucoup ça. Tu les transportais, tout ça. Ça rajoute un peu plus que juste. Ah, salut, je viens, je vous bastonne, allez, ciao. Tu vois, ça rajoute un petit truc humain, j'ai envie de dire. Voilà. Plus, on t'attend ici. On est arrivé. J'espère que le pire est derrière nous. C'est toujours le même mec, merci en skin. Encore. Tu mérites sincèrement de porter ce costume. Mais il a trop la poisse. J'ai juré dans un autre épisode, c'était le même putain de mec. Alors, ou bien, excuse de développeur pour dire que en gros, bah écoute, la poisse ça arrive, hein, écoute, il y a des mecs, c'est des poisseux. Ou bien, c'est son jumeau. Ou bien, bah ils ont juste eu la flemme de faire un autre PNJ. Ou bah, c'est juste une coïncidence. Je sais pas si c'est toujours le même. J'espère pas, hein. Ça serait dommage. Imagine, tout est parfait, mais il y a ce petit détail. Alors, le jeu, il est incroyable. Tout est fou. Mais vas-y, frère. Il y a le même PNJ à chaque fois que tu sauves. C'est dommage. Alors, normalement, c'est un truc pour Miles, non? Mais frérot, c'est très dynamique, cette donc vidéo. La Ron a caché des trucs près du stade. Un coup, c'est Miles. Un coup, c'est Peter. Je sais plus où donner. Où donner de la face. 500 mètres. C'est quoi, ça? Ah, mais frère, moi, je veux faire ça, là. Bon, le crime, ça va attendre, non? Alors, c'est quoi le... Ah, c'est ça qu'il faut faire, hein. Ah, j'ai rapté. Est-ce que c'est derrière? Ça fait... C'est ça, non? Ouais, faut se mettre là-haut. Hein? J'aime trop ce bail. Vous préférez Miles ou Peter dans le gameplay? Dites-moi la vérité, parlez français, please. Alors, il va rester un autre truc? Ou bien est-ce que... Ah bah non, c'est ça même qu'il faut récupérer. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? What do I have to... Ah, faut le tirer, non? Par en bas? Ou bien...
C'est stylé. Un générateur. On dirait qu'il alimente quelque chose par ici. Il a dit quoi? T'as dit quoi? Il doit y avoir un autre truc dans le coin, non? Something else. Yeah, something else. Ah, c'est ça, là? Un autre générateur. Voyons voir un peu. Bon. On dirait qu'il y a un souci d'électricité. Les toiles peuvent carrément conduire l'électricité. Oui. Et donc? On va essayer d'électrocuter ça avec un autre truc. Il doit y avoir un autre problème avec ce câble. Bah, on va check ça. On va dire à la base, non? Aïe. Frère, ça peut tout annuler, tu crois? Ce serait dommage. Ça mène à là? Pas sûr que je devais venir ici. Ah, fallait que je fasse ça. Ah, et après, ça me montre un autre endroit. Ah, en fait, faut juste comme le colmater ou je sais pas quoi. La cache est ouverte. Mais je crois que c'est tout ça, juste pour avoir un costume de rôdeur, un truc comme ça. Un truc spécial. En tout cas, j'aime bien la musique. C'est trop stylé. Putain, mais l'ambiance avec Miles est toujours trop cool, frère. Moi, les petites tags, les petits trucs. Wesh, le bail de la griffe. Aïe, 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 aïe. En tout cas, progression de Hell's Kitchen, c'est pas mal, hein. Ah, t'as trouvé ma cage près du stade. C'est une de mes préférées. Pourquoi? Disons que j'ai réussi à avoir un accès VIP qui aurait rendu certaines personnes jeunes. Je piratais le système informatique du stade pour mater les matchs directement dans le masque du rôdeur. Hein? J'y crois pas! J'étais aux premières loges sans jamais rien avoir à dire. Peut-être qu'on pourrait profiter un peu de cet avantage du rôdeur. Quel escroc? Disons, temps de la saison au moins. Y'a pas moyen, Miles. Ce sera les gradins du haut, comme tout le monde. Mais les tortures sont enfin de retour au niveau. Alors, franchement, si on peut avancer dans Hell's Kitchen, c'est pas mal. Hell's Kitchen. Alors, ouais, il y a une photo à prendre là. Bah, ça va être quelque chose par rapport au stade, je suppose. I think so, man. Un crime ? Spidey fan 92. D'ailleurs, dédicace à Spidey News. Les chasseurs essaient d'installer quelque chose sur ce toit. Tu sais dans combien de temps on récupère le capital? 2 minutes. Très joli ce petit avant-poste. Ça vous ennuie si je le réduis en morceaux? Mon frère, ça leur a rien fait, j'ai l'impression. Très méchant. Dégage! C'est mieux de les exclure, t'es tranquille après. C'est dommage, on peut pas faire des feats. Aïe! C'est-à-dire, j'appelle Peter, tu vois. C'est quoi ça? J'avais oublié! Bel aéronef! Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Comment je pourrais faire? Entoiler, faut juste entoiler. Pas faire un truc comme ça sur lui, ah, c'est pas une cible en fait. Ah, mais par contre il part où après? Il rentre chez sa mère. Avec mon camouflage je risque pas d'avoir ce genre de problème. Merde, fallait utiliser esquive glissée. Mais qu'est-ce que j'en savais, mon ref. Bon, comme vous voyez, je ne fais pas tout bien. C'est quoi ça? Avec la musique en arrière-plan, ça fait bizarre. Je sais pas s'il va nous appeler, le frérot. Ou bien il parle capiteur. On pourrait faire toute une série de photos rien que sur la musique à New York. Son impact, les communautés qu'elle a fait naître, son génie indéniable. C'est difficile à saisir en une photo, mais c'est pas mal. Pourquoi je suis électrique comme ça? C'est normal, ça? Oh non, j'ai un bug, les frères.
Mais c'est assez stylé. Vraiment, je suis pas contre. Alors, est-ce qu'on a des petites compétences, là? Un point de compétence, le rapace. Vas-y, on va mettre ça, frère. Ouais, je trouve des fois, le jeu est un peu dur avec nous, frère. Et là, tu nous donnes un... Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de vie. Je pense que j'ai pas beaucoup de vie. S'il y avait pas beaucoup de vie, ça serait différent, la couleur, non? Ok, à 500 mètres. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas la secte bizarre. C'est chill, en vrai, hein, juste se balader dans la ville. I like it. J'espère que ça ne deviendra pas ennuyant rapidement. Mais des fois, j'ai juste envie de me balader, frère. Faut intervenir. Alors? Vous avez vraiment la tête dure. Miskin, mais deux fois, je l'ai frappé avec la foudre, lui. C'est une dinguerie, quand même. Est-ce que je peux utiliser ça en plein combat? Après, il sait plus où tu es. Mais ouais, tu peux. C'est stylé ce que j'ai fait, ça. Wow. Il y a une ambulance pas loin d'ici. Je vais vous y emmener. Oh mon dieu, merci. Non, là, si c'est le même mec, frère, arrête. J'ai l'impression. On verra, hein. Mais c'est bien fait quand tu te déplaces, tu entends. Mais bon, on y sera bientôt. En tout cas, quand je cours contre les murs, truc comme ça. Tu vois? Tu vois qu'il est un peu en galère. C'est pas genre un jouet, tu vois, ou pas. C'est un mec qui a des sentiments, il a le vertige surtout. Et voilà. Tout va bien se passer maintenant. Dieu te bénisse, Spider-Man. Ma parole, c'est le même mec. En vrai, c'est un running gag. C'est assez drôle. De ça, à 100%. Je dis pas ça en mode... je ferme les yeux là-dessus, hein. Mais c'est drôle en vrai. Se dire c'est le même mec à chaque fois. Aïe aïe aïe. Le masque indique une cage du rôdeur. Je l'ai pas fait ça. Ah non, vas-y, peut-être on fera ça une prochaine fois. Quoique en vrai je kiffe. Moi j'aime bien. J'adore les pigeons. Ouais, en vrai des pigeons, ils sont énormes. J'ai jamais vu des pigeons aussi énormes que ça. Ça me big. Je pense que c'est ça. Big. Pigeons. Désolé frère. On dirait que ce panneau peut se relever. Tu sais qu'il y a un rappeur, il s'appelle Birdman. J'ai juré. Je trouvais ça cool à l'époque. Maintenant, je me dis avec le recul, c'est éclaté. Il faisait. En plus d'être contrôlé par un système électrique. Attends, je rêve ou il faisait vraiment ça? Ah, maintenant j'ai envie de vérifier, frère. Le système n'est pas. Mais en tout cas, je sais qu'il faisait. Je dois trouver un moyen de le relancer. Mais je sais pas s'il disait. Dans tous les cas, il y a des gens, des fois, ils veulent être spéciaux, mais des fois, c'est juste un peu bizarre. Hein. C'est moi, c'est. C'est l'homme pigeon. Mais il s'appelle l'homme pigeon aussi, frère. C'est une info réelle, les frères. Hein. C'était un. Voilà un proche, très très proche de Lil Wayne. Il nous faut un peu plus de puissance au cas où. Birdman. Il y a une scène mythique où le mec il débarque dans une station de radio. Il était énervé. Je te jure, c'est vrai. Une station de radio, il débarque. Et genre, il fait la tête et tout ça, tu vois, il fait trop le mec. Frérot, tu t'appelles l'homme oiseau. On peut dire ce qu'on veut sur toi, arrête. Non, mais après, le mec il est riche, il te ramène ses avocats, c'est chiant un peu, tu vois. Ça, je l'ai fait. Maintenant, il faut faire quoi? Ah, il y a un autre là. J'ai recapté. Ah là là. Ouais, c'est des petites anecdotes, les frères. Elle était facile, celle-là. Wow, le siège gaming, frère. Comment il fait pour avoir plein de setups partout, frère? Ça coûte cher, un PC gaming, déjà, de base. Lui, il en a plein. Bah, vous me dites si vous avez déjà eu le problème avec Miles comme ça, là. Il est court-circuité. C'est normal, ça? Ma cage près de la cage. La cage? Ça me disait quelque chose. La vue est incroyable depuis l'ouest du bâtiment. On peut y voir les terrains de streetball les plus célèbres du monde. Quand je volais pas encore, la plupart de mes enfants. Oh, c'est de lumière. Oh, c'est beau! Non, sérieux? Toi et papa, vous vous affrontiez? Non, encore plus violent. Mais en duo sur le terrain, on mettait ça de côté.
C'était un dribbleur hors pair et moi, le roi de la bravade. Personne ne pouvait nous battre. On pourrait revenir après ta conditionnelle. On se fera une partie. Crois-moi, neveu, tu sais pas ce qui t'attend. Allez, j'espère que tu tiendras au moins le temps de m'échauffer. À plus, tonton. Pourquoi ils sont là, eux? C'est dinguerie, quand même. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? C'est bizarre, comme ça, ils sont... Au milieu, toucher 4 ennemis en une seule utilisation de gadget. Ça peut se faire ici, non? Merde, j'en ai fait 3. Ah, faut les ramener, hein. Allez, tout le monde assis. Pas bouger. Merde, ça a pas marché. Ils sont au milieu du parc comme ça, frère. Après, tu me diras, c'est des petits trucs, hein. Des petites bestioles, elles aiment bien se balader. Attends! Mais j'aimerais bien... Mais toi, viens! Qu'est-ce que je viens de faire? Attends. Est-ce qu'il y en a plusieurs, là? Allez, venez, venez. Ça a toujours pas marché! Non. S'il vous plaît. Mais j'ai pas envie de tuer tous les... Aïe! J'avais pas envie de faire ça! C'est quoi, vous m'avez forcé? J'avais envie de faire mon truc, là, du gadget. Et là, c'est trop tard, non? Quelqu'un peut me donner un petit truc de gadget, s'il vous plaît? Ah, je les ai tous épuisés, là. C'est quoi? Toi, t'es vraiment méchant. Arrête de faire ça, arrête de faire ça. En plus, il me croque. Tu me croques? Aïe! On va pas réussir à le faire, c'est pas grave. Non, ça marche pas. Reste collé, s'il te plaît! Elle est contre le mur, frère, en plus. Ça aurait pu le faire. Mais ouais, je suis le mec qui regardait juste à côté. Que je devrais ajouter le contrôle des foules sur mon CV. Ouais, ça te dérange pas? C'est une dinguerie. Oh là, ça me fume. T'es là, tu fais des putains de trucs, tu t'exploses la gueule avec des... Wesh, il s'est passé quoi? On peut faire ça? Mais frère, j'ai fait comme ça! Comment c'est possible? Normalement, ça relâche automatiquement. En tout cas, je suis pas contre, hein. C'est quoi ça? C'est parfait pour Robby. Soyez... Est-ce que c'est une bonne photo, Spider-Man? Envoyez-la au journal des étudiants. Mais il me rappelle le mec qui parlait à la meuf du musée? Les Spider-Man ne sont pas les seuls super-héros de New York. Réussir à avoir tous ses élèves à l'heure en classe, ça, c'est un vrai super pouvoir. Est-ce que c'est pas le prof de musique? Ou de je sais pas quoi de musique? Voyage rapide débloqué. Ah! Mais c'est ça qui est bien aussi! Ah, t'as des petits voyages rapides. Et c'est où le voyage rapide du coup? C'est dans le coin? Switch! S'il te plaît. Juste pour que ça soit un peu plus varié. Non mais c'est nickel. C'est incroyable. Mais quoi, j'ai pareil avec lui? Non mais ça c'est pas normal, je dois redémarrer mon jeu maintenant, frère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, mon ref? I don't understand! Ouais, je pense que je redémarrerai juste après là, peut-être. Oh là, c'est beau ça, c'est trop beau. Ça plaira à Robby. C'est magnifique. Trop belle chose. C'est la fille de mon meilleur ami qui a fait ça. Je me rappelle qu'elle m'avait montré l'esquisse avant de réaliser la fresque. New York n'est rien sans ses amis. Waouh! Waouh! Ah, ces trucs de l'homme de sable. Why not, hein? Même si je l'avais jamais fait, hein. Ouais, je suis sorti d'une part. Aïe, 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 wesh!
final, je me rends compte, ça donne pas beaucoup de points de compétence de se balader et tout ça. Mais ça fait évoluer dans les quartiers, c'est pas mal. Ah, j'ai du sable dans les bottes et dans les gants. C'est un cauchemar. Merde. Mais j'ai essayé de le choper, ça lui a rien fait. C'est parce que j'étais en l'air. Il est culotté ce sable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je regarde, Zama, il te fait des trucs... des attaques de pas content. Oh, ça servait à rien ce que j'ai fait parce que j'étais pas très proche d'eux. Oh, c'est bien ça. Ouais, mais c'est bien quand tu les vises. En attendant, ça me fait juste une petite douche, là. Ah non, regarde, lui. Ça touche ou pas? Attends, va là-bas, derrière toi. Non. C'était pas mon jour de chance. Quelqu'un peut venir ici, s'il vous plaît? Soyez gentil. Ah, c'était lui le dernier. Ça l'a vraiment éclaté au final. Oh, c'est trop satisfaisant, frère. Oh, parce qu'il y a une résistance au niveau des gâchettes. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Les chasseurs en avaient pire après lui. Ils surveillaient Marco de près. Et aussi une certaine Kimia. Kimia, c'est sa fille ou sa femme, je sais pas. Tu sais que c'est assez intriguant en vrai son histoire à l'homme de sable. Alors, bon, je crois que je vais peut-être redémarrer les frères, mais il faut que juste que je sauvegarde. Oh, mais en fait, revenir dans le menu, c'est magnifique, frère. Regarde-moi ça. Ils sont posés au calme. C'est trop beau en plus la vue. Oh, ça change de plan. Mais vous flexez trop. Incroyable, j'aime trop. Non, moi je peux juste regarder comme ça, moi ça me fait kiffer. Wesh, encore. Je crois qu'ils vont nous faire un autre. Par contre c'est cringe un peu, ça veut dire juste ils sont côte à côte. Ils disent rien, même pas... Wow, la vue frère. Moi j'aime beaucoup. Laissez un petit like pour la vue les frères. Voilà, ça recommence. Mais c'est une belle boucle. Très 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 belle boucle. Enfin, boucle, pardon. Ouais, c'est toujours un problème de prononciation, les frères. Comme chasseur, sachant chasser, qui veut passer chez Soch. On a dit que ça, merde, c'est pas grave. Ok, on va faire des petits crimes, peut-être. Hein. Et si je retombe sur l'homme de sable, why not? Parce qu'en vrai, il est un peu intriguant, mystérieux. Non, c'est vraiment... Tu vois même comment il te regarde. Il est mystérieux. En tout cas, je parle de l'acteur, tu vois. L'acteur était trop mystérieux, frère. Et il était gentil. Et les gens étaient méchants, par contre. Ils disaient, ouais, le perso, il sert à rien. C'est ça, en fait, quand t'es trop gentil, après, les gens, ils disent, tu sers à rien. Frère, ça veut dire un méchant. Entre guillemets, un méchant, il doit être que méchant de fou. Il peut pas être Zama. Oh, j'ai cru que j'étais mal, je voulais me mettre invisible. Il peut pas être touchant, spécial. Non, toujours, les gens... Je vais les faire sortir, c'est possible ou pas? Merde, ça c'est un peu chiant. Attends. Mais il veut pas sortir lui? Ouais, s'il a été collé au bord de... Hein? C'est bizarre un peu ça. J'étais pas très satisfait par l'action. Waouh. Reste par terre. Une victoire pour votre serviteur Spider-Man. Ce serait bien que le symbiote ça fasse qu'il s'accroche pas. Il est où le frère? Moi je le vois pas. Hein. À tout moment il est par terre. Il a fait une chute de 25 étages. Bon, c'est pas grave. Hein. J'aime trop emprunter ces couloirs d'autoroute, les frères. C'est une dinguerie. Ah, homme de sable! Et l'homme de sable. On peut faire un truc comme ça? Waouh, c'est magnifique. C'est là? Trop de blagues possibles. Mais franchement, ils sont très très culottés, hein. Ce que je me dis, je pourrais leur faire juste un truc comme ça. Je les renvoie dans l'eau. Lui, il est mort, hein. Vous voulez pas me faciliter la tâche, hein? Il est parti dans l'aube, skin. Il s'est dissous. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cristal? Peut-être que je deviens complètement fou. Mais où que j'aille, je les vois. Au travail,
à l'épicerie, au parc. Ils nous suivent à la trace. Kiko nous avait avertis à propos de Kraven et de ses hommes. J'aurais dû l'écouter. Miskin. Peut-être qu'il voulait attirer l'attention sur ça. À la base, il voulait dire « Roya, je fais tout ça pour attirer ton attention. Je veux ton aide. » Je sais pas. On ne saura jamais. Enfin, si, on saura du coup après. Tu penses qu'on va lui rendre visite en zonzon après tous les cristaux de sable ou c'est comment? Il faut quand même une petite récompense à tout ça. T'es là, tu fais des bons bails. Pour en savoir plus sur lui, il faut bien qu'il y ait un truc final, non? Alors, ça, c'est un truc de Mysterio. Non, merci, je suis éclaté à ça. Enfin, je pense que si je fais un effort, je pourrais m'améliorer. Hein, c'est quoi le truc, là? Oh, mais t'as vu comment il a fait? Frère, il allait refaire un looping, on dirait. C'est quoi, ça? Super lance-pierre. Non. Wow. Wow. Mec, ils ont fait comme dans le truc. Oh non, 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 mais là, j'ai envie de le faire avec Miles, ça. Non, mais non, mais non, mais arrête, 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 arrête. Mais wesh. C'est une... Ah non, par contre, c'est quoi? En fait, c'est ou bien infiltration avec Miles, ou bien je fonce dans leur gueule comme un tank. Bref, ça me rappelle dans Spider-Man 3... Sur PC, tu pouvais faire ça. Enfin, sur PS3 aussi. Tu pouvais faire ça au Daily Bugle. Tu fais comme ça, tac, avec deux antennes là, comme ça, qui sortent au niveau du toit. Tu fais toute la ville. Non, mais vraiment, c'était de l'abus. Tu faisais toute la ville, par contre. Tu avais une vue de fou. Je pense que vous pouvez rapidement trouver ça sur Internet, les frères. J'étais là. Défendez-le. Tenez, j'ai trouvé dans cette base, était correct. C'est un affût de chasseur. Je pourrais voir s'il y a une autre base. Vous vous attendiez pas à recevoir de la visite, hein? Incroyable. Oh non, c'est fini l'attraction. C'est dommage. Moi, j'aimais trop ça. J'aime trop comment ça augmente la durée qu'ils sont en l'air, tu vois, pour te laisser une brèche pour que tu les éclates. Wesh, elle se protège de fou, elle! Aïe, tu me tranches, là. Oh, le chien! Toi, t'auras un traitement de dégage. Voilà, il est tombé. Alhamdoulilah. Non, mais arrête! Oh. Frère, l'humiliation, imagine, tu fais tout ça, tu meurs! Je me suis dit, je suis un tank et tout! Non, il y a trop de mecs avec des machettes là. Il est où le chien là? Littéralement, le chien. En plus, c'est qu'il te mord après. Hein. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Alhamdoulilah, ça m'a remis de la vie. Mince! Arrête ta grand-mère, toi! Oh, j'ai trop hâte. Tu vois, quand ils me font des trucs comme ça, ils foutent la rage, ils m'énervent. Et j'ai juste envie, je te jure, de m'activer la rage du symbiote, là. Et leur péter leur gueule. Je sais pas qui c'est que je suis en train de viser, mais bref. C'est eux là ? Oh, le chien. Quoi ? Tu n'es pas digne de toute cette puissance. Et ferme ta grande gueule, je t'en supplie, mon ref. Pardon. Ok, on va ramener le boss. Tiens, boss. Voyons voir. En vrai, il est très, très, très fort. C'est incroyable. Je pense qu'il est plus fort que... Peter. À sa manière, vraiment. Alors. Moi, j'aime bien les phases d'infiltration. Je pense qu'il peut me voir, lui. Normalement, il regarde pas l'autre, j'ai juré. Comment ça se fait, frère? C'est pas juste. L'autre, il regarde ses choses et tout. Je peux pas voir là. Vous laissez pas abattre. Allez! C'est pas un danger pour toi. Il s'est éloigné. Suivez les sons pour trouver l'araignée.
Merci le ref. Oh putain, je l'ai encastré. Moi, les bugs comme ça, ça me dérange pas. Logiquement, il devrait me voir, lui. Pas faire trop de dingueries, là, non. Oh, mais j'aime trop même le truc de camouflage. Tu vois comment ça fait? Comme je t'ai dit, une dimension miroir pour l'autre, là. Qu'il y a dans Doctor Strange, je sais pas quoi. Et encore ce bruit. Ah bah des fois, faut dire que l'approche de Miles, c'est mille fois mieux. Hein. C'est plus un danger, normalement, lui. Hein. Oh, merde. Il se retourne très vite, là. C'est forcément lui. Chier. Tu peux regarder là-bas. Regarde là-bas. Il a laissé d'autres toits. Ce rêve bleu. J'avais pas vu, lui. J'ai fait n'importe quoi, j'ai paniqué les frères. Non, ça va. Oh non, le club. Frère, ça fait sûr, danger, sûr, danger, sûr. Bah, sois-en sûr. C'est mignon, même lui, il y va. Allez voir là-bas, normalement là il est sûr. C'est fou que je peux neutraliser même le chien comme ça. T'as l'air fatigué. Mais ils sont très nombreux là-bas. Personne. Comment ça personne? Chaque son me rapproche de ma proie. Toi vois là-bas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est lui. Négatif. Mais il est toujours dans le coin. Continue à chercher. Ah ouais, quand même, ils sont smart, hein. Ou bien moi, je suis bête. C'est l'un ou l'autre, je sais pas. J'hésite un peu, mon ref. Vraiment, j'hésite un peu. C'est en danger, ça. Non, non, non. Tellement, ils me regardent de loin, frère. Ils ont un champ de vision, quand même, élargi, hein. Abusé. J'en profite. Oh, je te tiens. J'en ai marre d'attendre. On remonte. Wow, on voit un peu la lune. C'est la lune, non? Tu penses que je peux faire un truc d'ici à là-bas? C'est beau. C'était vraiment moins une, non? Franchement, faut dire, infiltration, c'est souvent la meilleure chose. Hein. Souvent. Il reste qui, là? J'arrive pas à voir. Homskin, pandouille. Ouais. Je vais refaire un petit tour, mais bon. Ah. Mais wesh! Et l'araignée. Je te jure, je me baladais tranquille. J'avais pas du cool. Tout. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. Un petit drone. Pardon, non, non, j'allais te défoncer, frère. T'as sûrement pas mal de choses à me dire. Une carte de leur base. Qu'est-ce qu'ils trafiquent? T'es vers où? C'est là, non? Ah! Oh non! Je ferais mieux de neutraliser ce relais si je veux pas que les renforts débarquent. Il y a aussi deux autres signaux d'affût par ici. Ça marche!
Et du coup, tu penses que je peux améliorer mes gadgets et tout là ? C'est un petit truc à faire. Composant de tenue. Ah, ça, c'est pour la santé, frère. Ça, c'est des trucs qui aident énormément. C'est pas mal, ça. Comment ça, un seul mode ? Ah, entre les deux, un seul mode. Ok. Vous regagnez un peu de santé lorsque vous réussissez une esquive parfaite. Vous regagnez un peu de santé lorsque vous réussissez une parade. Oh non. Je suis éclaté en parade, donc non, merci. Oh, déjà ! Mais mon ami, c'est quoi ça ? Dégâts incroyables. Ça augmente de 10%. Les dégâts de 120. Oh, je peux ? Merci. Encore ? Merci, c'est quoi ? Dégâts infligés aux ennemis accrus pendant que vous êtes en l'air. Réussir une parade contre une attaque ennemie. Recharge partiellement vos cassettes. Oh, c'est pas mal ça. Mais je sais pas faire des parades. Ok, donc ça, c'est des trucs que j'avais pas du tout amélioré. Mais je suis fou, moi. Améliore ça, là, le déplacement. C'est quoi, ça? Mince, c'est quoi, ça? Pourquoi verrouiller? Oh non. Dis pas que je dois encore avancer. C'est bizarre. Attends. J'ai pris le premier truc, quand même. Je l'avais acheté, normalement, ça. Ah non, j'avais pas acheté. C'est vrai, j'avais pas acheté. Je suis bête. Oh, maintenant, je peux faire le truc, alors. Trop bien. Je peux plus, maintenant. Et ça, c'est quoi? Les lancements atteignent leur puissance maximale. Les lancements, c'est ça. C'est les trucs où tu te projettes des lampadaires ou des rebords quand tu fais du truc. L2, R2, non. Le saut chargé et le tir lance-pierre vous propulsent respectivement plus haut et plus loin. Oh, c'est pas mal. C'est good compromise. Attaquer les ennemis entoilés rapporte plus de concentration. Ça, c'est bien. Ajouter une deuxième barre de concentration. Oh, quoi ? Vous pouvez regagner la santé plus fréquemment. Oh, mais oui. Oh là là, ça va me faciliter la vie. Ça, c'est quoi? Verrouillage de cible. Ah ouais? Augmente de 10% la concentration générée par les capacités. Comment ça? Ouais, tu gagnes des trucs quand tu... la concentration quand tu utilises des trucs? Bref. Et là, on a quoi? Ah! Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour... Elle est stylée quand même. Franchement, je vais pas faire genre... Celle-ci aussi, elle est bien quand même. Ouais, t'es mal les yeux maintenant, ils sont interactifs. Avant, ils bougeaient hop, non? Ouais, ça bougeait hop du tout. Tu penses qu'on aura un truc de Spider-Verse? Ça serait cool quand même. Mince, attends. Il y a quoi au niveau de... Tu vois, moi, je pensais qu'il y aurait plusieurs styles ici, frère. Il y a même... En fait, il y avait des... Comment on appelle ça? Des... voilà, des rumeurs comme quoi on pouvait avoir le... Genre, un variant symbiote pour chaque costume. Là, j'ai pas l'impression que c'est le cas, tu vois. Don't know, hein. Mais du coup, si je remets ça, j'aurai toujours le symbiote, là? Logiquement? Ouais, j'ai l'impression que ouais. Je crois que ça change pas. Je pense que tu... Ça, c'est juste un style, en fait. Mais c'est bien. J'aime bien garder ce style pour l'instant. Les gadgets, ça dit quoi? On peut avancer un peu? Ça peut faire décoller les brutes. Évidemment que j'ai envie de ça. Merde. Ça, c'est quoi, ça? Attrape-toile. Merde. Impact assommant, j'ai toujours pas. Mais comment on fait? Ah, pas assez de pièces high-tech. J'ai capté, je pense que j'ai pas mal dépensé, hein, vraiment. Et là, oh, j'ai 2 points de compétence, merci la famille. Ouais, ça c'est pas mal, mais est-ce qu'on va le prendre ou on va prendre ça? Ah ben c'est ça que je regardais. Ça c'est quoi? Le coup de poing symbiotique projette les brutes. Oh, ça c'est pas mal quand même. Je préfère acheter 2 compétences que le truc au milieu, tu vois ou pas? Améliore le rechargement de la surcharge. Merci. Utiliser une barre de surcharge complète recharge entièrement les capacités. Ça me plaît, frère. Ça, c'est des trucs pratiques, mon ref. La surcharge dure considérablement plus longtemps. Oh, mais t'as vu, en vrai, c'est trop stylé. Tu peux avoir le truc normal et après, tu mets ça. Wesh! En vrai, c'est peut-être mieux de remettre le costume normal, hein. Wow, l'objectif d'une vie, c'est ça. C'est acheter ça, frère. La surcharge dure considérablement plus longtemps. Ça, c'est un investissement, frère. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, ouais, c'est-à-dire tu peux être... Peter comme ça et tu l'auras le bail. Ouais, je sais pas, même comme ça c'est mieux, ça donne un côté un peu, you know. A little dark, man. Is it better? Is it better, you know? Je sais pas, je vais voir. Et ça me fait kiffer cette vidéo, j'espère que vous aussi les frères. Alors, en avant. C'est original, j'aime bien. Ça change un peu du bleu, même si le bleu éclatant, il est bien aussi, tu vois. I like it. Et aussi, au final, j'ai envie de dire,
Le mode 40 FPS, ça rend super bien. Je crois que je l'ai déjà dit hein, dans un let's play, enfin dans un des épisodes. Mais voilà. Quand ce sera sur PC, ce sera beaucoup mieux, mais c'est déjà très bien. C'est qui cette guignol là? Vous avez entendu parler de l'incroyable Spider-Man? Bah nous, on est les fans. Tiens, tiens, tiens. Spider-Man joue les paparazzi. Bim, bam, boum. Sweep, sweep. Non? Oui. Il y a des choses à dire qu'on ne s'explique pas. Et c'est ça. Pièce high-tech rare. Oh merci, je peux améliorer un gadget ou l'acheter. Mais wesh frère, non, mais j'ai débarqué comme du n'importe quoi. C'est plus fort que moi. Il faut que je patrouille. Vas-y frère, chute pas ça, je vais assumer, y'a quoi. J'ai visé qui là? Eh arrête toi, ils sont trop puissants, merde. C'est bien aussi d'utiliser symbiote avec ça. Mais c'est vrai que ça rend mieux je pense avec la tenue noire. Bientôt j'utiliserai le bail dans leur face. Très énervé, tu vois ou pas? Où est-ce que tu vas? Je suis là mon ref, je vais nulle part. Vas-y bébé, t'as cru que j'allais plus être sur tes côtes hein. Moi je le sens quand même plus puissant le frérot là. Mais il y a des trucs peut-être plus difficiles que d'autres hein. Des bases comme ça ou des points comme ça plus chauds que d'autres, non? Des fois il y a des chiens, il y a des trucs comme ça. Bientôt, je vais pouvoir m'abattre sur leur face. Ouais, je vais te prendre que toi, meuf, hein. Et ton pote, en fait. Il est encore vivant, lui. Il reste qui? Oh non, dommage, je vais pas utiliser mon truc. Une prochaine fois. Essayons de trouver des infos. C'était kiffant, frère. Oh là là là. Qu'est-ce que cet oiseau va m'apprendre? En fait, à ce qui paraît... En tout cas, Enara m'a dit, à ce qui paraît, ils écoutent beaucoup les joueurs. Donc là, si je dis un truc, peut-être qu'ils vont le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont combien? J'en ai chopé un. Mais du coup, tous les trucs que j'avais dit, ils l'ont fait. J'avais dit, ouais, les reflets sur les immeubles, ils l'ont fait. J'avais dit, genre, le fait de planer, ils l'ont fait. Je crois que c'est tout. Non, il y a d'autres trucs, peut-être. Et si je dis, s'il vous plaît, sortez la version PC, bah, pas dans 4 ans, ça serait bien, non, s'il vous plaît. Vous pouvez m'écouter pour ça, s'il vous plaît? C'est le dernier. On dirait qu'il y a une salle remplie d'armes. Ce serait dommage qu'un Spider-Man les recouvre de ses vilaines toiles. Deux affûts de moins. Le prochain m'apprendra peut-être où est la base. Attends, il y a un truc de... se catapulter. C'est où? Aïe 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 aïe, mon ref. Oh, maintenant on peut faire le truc là. Incroyable. Et c'est une piste de décollage. Ça, la nuit, ça doit être trop beau. Waouh. Non mais là par contre ça m'inquiète, on dirait on va vers l'objectif de la mission. J'ai pas trop envie de ça. On peut choper ça. Je suis curieux ce que ça va nous... Ah, Miles Morales. Je tire. Ah ouais, la crosse de Spider-Verse. Il y en a beaucoup des petits bots comme ça, dis donc. Je posais que c'était fini. C'est quoi comme quartier ici? Là, on est que à Manhattan, on n'est même pas parti ailleurs. Hein. Ah! Il y a un crime, 700 mètres. What is this? Fais pareil, mais dans l'autre sens. What do we have here? Oh là là, on se rapproche un peu trop de l'objectif, je veux pas! Quand tu commences une mission, c'est compliqué après. Ah si, tu peux abandonner la mission. Mais wesh. Tu crois vraiment pouvoir partir sans l'accord de la flamme? Je l'ai trouvé. Vous avez assez joué avec le feu. Waouh. Mais il était déjà mort, c'est du gaspillage frère, c'est quoi ça? Il reste qui? En fait, il restait rien. Je les ai éteints. Ah, il restait lui?
Éteins un incendie avant qu'il y ait des blessés à l'intérieur. Non, vraiment, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas le jeu, je comprends pas. À mon avis, personne n'aime pas le jeu, je te dis la vérité. À part si tu n'aimes pas Spider-Man ou que ça t'intéresse pas. I feel bad for you, man, parce que franchement, it's a good time to be a Spider-Man fan, si tu vois ce que je veux dire. Sujet flou, sujet trop loin. C'est pas ça, non? C'est ça? Ou c'est eux? C'est parfait. Tu parles de sujet net, frère, j'étais en train de bouger. L'amour de la balle orange. New York City. Mais frère, on dirait des mecs. Le temple du basket. Je pensais qu'ils portaient des maillots de foot. Pourvu qu'on ait un ballon et un panier. Mais entre le regard des spectateurs, les provocations des autres joueurs et le son du caoutchouc sur l'asphalte, je vous assure que l'expérience est différente. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours mieux de voir les gens, you know. Cette phrase n'est pas à prendre hors de son contexte, tu vois. Mais bref. Il y a une photo là. Et en vrai, noir et rouge comme ça, j'aime bien. Et donnez-moi vos avis, les frères. Et les sœurs. Invasion alien. Ah ouais, d'accord. Ils sont déjà là. Pas mal. Et pourquoi il rigole? Il a l'air heureux en tout cas dans sa vie. Ça me rappelle les gens qui écrivaient au Bugle et certaines personnes qui y travaillaient. La liberté d'expression, c'est magnifique. Mais entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, il y a parfois une différence. C'est quoi? C'est un petit bot? Frère, il est dans un buisson. Ou dans un arbre. Ah, il est là. Il doit être en haut. Des spider bras? Oh, ça te va mieux qu'Atom, tu sais. Donc il a rien à me dire là-dessus? Ça aurait été bien un petit commentaire sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Coin, coin, coin. Normalement, c'est tchouin tchouin tchouin. Ouais, ça m'a fait rire, les frères, désolé. Coin, coin, coin. Ok. Ça fonce, les frères, ça fonce. Bon, ça se refuse pas, un truc comme ça, non? Est-ce qu'on a assez de jetons, là, de crime? Affût de chasseur? Ah bah non, il nous en faut. Ouais, c'est vrai, si t'as un petit crime en stock, je suis preneur. Ce chauffard a failli heurter quelqu'un. Il faut que j'intervienne. C'est Spider-Man. Wesh. Vous avez grillé un feu rouge. Ouais, bah là, j'ai perdu toute ma vitesse, frère. Wesh, mais t'as vu comment il fait? Sens inverse. Au nom de Dieu, il n'y avait personne dans la caisse. Un conducteur fantôme. Il y avait un méchant. Ah bah oui, il est encore à l'intérieur, lui. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, des fois, les frères? Vraiment, je comprends pas. Attends, excusez-moi, prêtez-moi un peu votre... J'ai envie de me mettre juste au-dessus, là. Voilà. Baiser un peu d'élan. Bah écoute, je vous rends souvent service. C'est pas trop demandé, là. Dis pas c'est pour refaire du vélo, là. Dans le parc. Avec des vélib. C'est ça ou pas? Voyons sur quoi travaille le Dr. Young ici. Je crois que c'est encore ça. Merci de nous aider pour nos tests d'apprentissage machine. À l'image de ce que vous avez déjà fait à la fondation Emily May, nous enseignons à nos drones à se repérer. On a explosé Emily May, que tu me racontes? Ça reprendra quand vous serez prêt à commencer. On a éliminé Emily May. Éliminer, okay. Millimètre, t'as capté? Mettons tout ça en route. Ah, c'est les drones là? C'est un test en deux parties. D'abord, vous devez montrer au drone ce qu'il doit prendre pour cible afin de protéger notre population d'abeilles. Cool! Une formation de drone abeille. Oh, et vous devrez le faire avant que le drone ne soit déchargé. On va se pencher sur l'autonomie, promis. Allez, c'est parti.
Comment on fait pour tirer? Non merci, vilaine guêpe. Et un temps imparti? Les rats mangent des abeilles? Oh, la visée, elle est bien. Filé. Parce que je crois que j'ai mis visée automatique. Donc ça me fait plaisir. Y'a pas un truc là-bas? Mais ouais, j'ai cru. Un truc là-bas. Oh, c'est trop beau l'effet de flou. J'aime bien. C'est fini là. Pour la deuxième partie du test, vous allez apprendre au drone à identifier les sites de nidification optimaux. Des nids d'abeilles, c'est parti. Ouais, je voulais rentrer dans le buisson. Ce sont les meilleurs endroits pour s'établir. Ah ouais, les buissons. Ça, j'ai capté comment ils sont les buissons. C'est pas grave, on vous pardonne, Insomniac. Donc là, je dois faire quoi? Oh, j'y monte. Oh, sa mère! Wesh! Les plans de fou que tu peux faire pour les clips, frère. C'est beau. Ah, il y a un hologramme d'abeille. C'est parti. Et ensuite? Where is the next one? C'est juste à côté, non? Ah, c'est là. Ah, faut les capter, en fait. Faut les capter. Mmh. Ah, je me dis, en fait, peut-être que pour vous, c'est pas très intéressant. Je suis agent immobilier pour abeilles. Je vais skip un peu. J'adore recherche appartement ou nid d'abeilles. Attention, non, en vrai, pour les trucs faible. Comme ça, c'est pas mal. Pinaise. Il a dit aux pinaises. Non, il est goofy. Non, en vrai, ça vaut la peine. Je laisse un peu, je vais pas te mentir. Attends, on peut aller dans l'eau? Oula. C'était pour le clip, les frères. Oh non. Dis pas j'ai perdu, frère. Si, j'ai perdu. Mais en fait, j'étais trop à l'aise. Parce que je voyais qu'il n'y avait pas de temps imparti. Et je voyais pas de barre de recharge ou quoi, tu vois. Enfin, de charge de la batterie, en gros. Donc, je suis dit tranquille. J'adore recherche appartement. Alors que non. Last one. Vous avez réussi. Le drone va rentrer en pilote automatique et transférer les données. Merci, Peter. Laisse-moi faire ça. Oui. Ça devrait être pas mal pour l'IA. J'espère que ça aidera le Dr. Young. Et hop là. Je voulais pas toucher le camion, mon ref. Next level, man. 22. 21. What you do, some for me? On aurait dit un chat, mon ref. Un chat qui... T'es pas content, ma foi. Ah, c'est le truc qu'on a emprunté tout à l'heure. C'est pas mal. C'est dommage, on peut pas le faire dans le sens qu'on veut. On est obligé de viser... Oh, un truc de rapide, là. Pas mal. Ouais, j'ai rapide. C'est où? Frère, c'est magnifique. Just cause who? Non, par contre, just cause s'il sort, frère, on va jouer. Est-ce qu'ils sont en train de vendre des armes, là? Le 5, là, je sais pas quoi. Ah, je vois. C'est 5? Vous êtes plutôt des gens. Spider-Man! La tête. Chopons ce lance. J'espère que vous avez encore la facture! Nouvelle tenue ou pas? Watario raconte. Qu'est-ce que les chasseurs ils font? Ah ouais, c'est un deal! Un échange! J'aime bien ça! C'est rare en vrai! Y'avait pas ça dans le premier Spider-Man! Non? Allez, remets les compteurs à zéro! Allez, descendez-le! Attends. Oh là 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 là. En vrai, c'est un peu dégueulasse. Mais très stylé. Aïe! On va se coller d'abord. Oh, vraiment, c'est du n'importe quoi ce truc, hein. Mais dans le bon sens, hein. C'était vraiment pas une bonne affaire. Oh, j'aime trop le salto qu'il a fait, frère. C'est incroyable. Il était vraiment trop stylé. Ah, il y en a un autre ici de... Un autre catapulte. Wow. Oh. Non, le jeu, il est généreux de fou. On va vite, mon ref. Très 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 kiffant. Et il y en a d'autres encore là. Mais c'est abusé, il y en a vraiment un peu partout, hein. Ah mais je crois que je l'avais déjà utilisé celui-là. Ouais, c'est comme ça que j'ai... Ah mais il est haut lui par contre. Ça c'est intéressant. Wesh. Ah ouais d'accord, là tu décolles vraiment.
Mais est-ce qu'on a un intérêt à partir là-bas? Non merci, c'est quoi ça? Bebop. Bibou. Ah, je crois que c'est une quête secondaire pour Miles. Ok, bon, c'était vraiment pas mal, hein. Je dis pas que c'est fini tout de suite, mais c'est fini peut-être bientôt parce que bah, il commence à se faire tard. Bon, tard, c'est un grand mot. Mais c'est vrai que par rapport à avant, les frères, je fais attention à moi. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, tard pour moi, c'est... Si à 21h30, je suis encore sur le PC, ce qui est le cas. C'est un peu tard. La lumière bleue, tout ça, ça déglingue. Tes hormones un peu. Pas de sommeil en tout cas. Ah, je voulais partir sur le truc de photo. Il est où le bail? Il est sur le lampadaire, je pense. Wesh, il était juste en bas. Viens par là, mon ref, s'il te plaît. Avec un poids de quelques grammes. Oh, il est trop stylé. De je ne sais où. Arachnido. C'est quoi ça? C'est un Spider-Man espagnol ou quoi? Arachnido. Je connaissais pas du tout. Trop stylé. Thank you. Attends, tu penses que j'ai eu un point de compétence? C'est pas mal. Franchement, quand tu bouges un peu, tu te bouges un peu le fiac, tu peux faire des trucs. On va attendre un petit peu, on va attendre un peu, quoi, qu'on peut avoir un truc là. Non, toujours pas, putain. Miles, franchement, on pourrait l'améliorer. C'est quoi ça? Frapper des ennemis paralysés par le cerveau capacité. Et ça là? Ça là, ça me parle. Regarde un peu. Regarde là. Il y a plus d'éclairs. J'aime bien. Non, mais frère, il fait un taf de fou. Donc, oh là là, par contre, j'améliore pas beaucoup ici. Hein. Aïe, 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 j'améliore vraiment pas beaucoup là. Hein. Alors que... Il y a de quoi faire des trucs de fou, je pense. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez maintenant réaliser deux éliminations en hauteur simultanée de... Oh frère. Non, des vidéos comme ça, on va en refaire. Mais je peux pas me permettre d'en faire plusieurs en chaque épisode. Un déjà, c'est beaucoup parce que vous marcelez, je vous jure, c'est vrai. Vous marcelez de messages pour me dire, frérot, sors épisode 2, tout ça là. Tu vois ou pas? Et du coup, moi, j'ai pas envie de retarder de fou. Et bref. Mais ouais, c'est vrai que... En fait, c'est un peu dommage de pas se permettre de respirer un peu. D'apprécier un peu plus la story, you know? Alors, on refait un truc comme ça. Oh, c'est plus puissant, j'aime bien. Alors, il est où l'autre? Where it is, please? I don't see it for now. Je crois qu'il est sur ce côté. Ah, il était là. Oh, il paraissait plus proche quand même. J'aime trop comment il a... Oh! Truc UK. Il est pas trop mal, son costume UK. Il y était, je crois, dans le DLC avec Black Cat, non? Voyage rapide! Je sais pas comment je l'ai débloqué, mais on l'a débloqué. Et ça... Ça se refuse pas. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! C'est trop cool. Jeu d'échecs. Ça plaira à Robbie. Bah, ça me plaît aussi, frère. Tu sais que j'ai vu un grand maître jouer ici la semaine dernière. Oh, le fist. N'importe qui pouvait venir le défier. Et il a perdu contre un jeune qui vit pas loin de chez moi. Dave. J'avais jamais rien vu de pareil. Ouais, jeu d'échecs, c'est cool, hein. Et aussi, Brooklyn, on n'est jamais parti, hein. Mais Brooklyn, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, j'avais envie de me balader ici, tu vois. Mais on a fait pas mal de trucs, quand même. C'était cool. Oh, putain, frère. Oh là 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 là, il est incroyable, le noir, new generation, extraordinaire. Mais en fait, plus tu as des trucs, des jetons, des je sais pas quoi, et plus ça te montre des nouveaux bails. Mais s'il vous plaît, là, mettez-nous un truc classe, là, pareil, Spider-Verse. Oh, lui, ça se voit, c'est Spider-Verse, ça se voit, frère, regarde comment il est tout fin, tu vois ou pas? Tu reconnais la silhouette? Oh, celui-là, c'est quoi? On dirait qu'il a un truc de neige, tu vois ou pas? Là, il avait un hoodie. Attends, il y a quoi d'autre, là? J'avoue, je me spoil un peu en regardant. Oh, mon ref. On dirait un truc de rôdeur un peu, mais... autre, tu vois. J'essaie un peu de deviner, de par la silhouette.
Ça aussi, c'est Spider-Verse. En vrai, il y a tellement de costumes. Ouais, c'est quoi ça? Je sais pas si vous arrivez à voir un peu. Hein? Wesh, il a des cornes, on dirait, frère. Il y a des petites épaulettes. Wesh, on dirait... Ah bah oui, on dirait un truc de chasseur, tout ça, tout à fait. Et une fourrure et tout. Waouh! Détective. Trop la classe. Bon! Par où est-ce qu'on part? Mince, mais moi j'avais envie de voir des gadgets à la base, désolé. Ouais, il faut grave des jetons de héros pour l'avoir celui-là. Mais vas-y, j'achète ça. Un nouveau petit gadget, c'est pas mal, ça se refuse pas, non? Oh mince. C'est déjà la merde. Vas-y. Ça on peut ou pas? Merci. Ça on peut ou pas? Merci. Ça aussi? Ah. Je suis trop gourmand. Ouais, c'est bon. En tout cas, c'est toujours satisfaisant d'améliorer des bails. Ok. Bon. Merci pour l'autoroute. Ouais, elle est longue celle-là. Hein. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ouais, frère, je suis désolé. Si j'arrête pas maintenant, on va jamais arrêter. Bon, d'accord. C'est quoi? Je chope juste ça. En mode, ça fait durer la vidéo beaucoup plus, ça. Ouf, je lui ai fait peur, M'skin. Un truc de baseball, ça? Tu me rappelles une super araignée que je connais. Ah, hey, c'est mignon. J'ai du nouveau sur nos mystérieux bots. Le signataire vient de super loin, en fait. Genre, carrément plusieurs millions de kilomètres, quoi. Waouh. Genre, de l'espace? Non, je pense plutôt... un brouillage de position, un truc du genre. Ouais. Je devrais pouvoir remonter à la source avec quelques bottes de plus. Je sais pas qui fait ça, mais j'aimerais bien le rencontrer. Je pense pas que c'est l'autre, là, le 2099. Ouh. Et je suis jamais parti dans ce pont. Pourtant, je l'aime beaucoup. Oula, 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 oula. Mais c'est fou ce que j'ai fait. Oh non, j'ai tout raté. Bref. Attends, on peut le faire comme ça. On peut se baisser, non? Normalement. Voilà. Oh, c'est beau. Avec le coucher et tout, la lumière qui rentre dans mon fiac. Bref, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, si vous kiffez, vous me le dites. Et j'essaierai de prendre un peu de temps pour faire ça. Mais ça va retarder l'histoire. Donc faut savoir, si vous vous plaignez, commencez pas à me dire « Ouais, fais les vidéos, mais je me plains quand même. » Tu vois? Bref, non, je pense que ceux qui veulent que je fasse ça, eh ben, c'est pas les mêmes personnes qui veulent que je sorte l'histoire rapidement. Logiquement, après, je sais pas, frère. Tu peux vouloir les deux, c'est possible. T'as le droit de vouloir ce que tu veux dans la vie. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace. Hey, ouais!